Allez, on va passer au doc de ce soir. Il a longtemps été l'attaquant numéro 1 en Ligue 1 ivoirienne, mais des situations difficiles, hein, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan personnel, vont finalement mettre un frein à cette belle carrière à laquelle il était prédit. Kevin Zougoula nous raconte son histoire dans un doc inédit qui vous est proposé ce soir par Eliane Tapé et Marco Seri. Je suis né le 20 avril 1988 à Dabou. Je découvre le football qui m'envoie en Côte d'Ivoire, au Burkina, en Guinée et en Roumanie. Je suis Zougoula Kweli Kevin. Je vous raconte mon histoire parce que un jour le soleil s'est couché. L'histoire de Kevin Zougoula aurait dû être le beau conte qu'on raconte les soirs au coin du feu. Trois saisons durant, l'ancien buteur du CW Sport de San Pedro a mis les défenses adverses au supplice et la Ligue 1 à ses pieds. L'auteur de ce but fake est le numéro 23, Zougoula Kweli Kevin. Les débuts de Kevin Zougoula dans le football n'invitaient pas forcément à l'enthousiasme. En témoignent les clubs par lesquels il est passé. Ma carrière débute depuis le centre de formation Sila Efray à Gamé. C'est de Sila Efray que j'ai signé au Sabé Sport de Bouna. Du Sabé, je suis allé à Guibéroi, à J Football Club de Guibéroi. Et de Guibéroi, j'ai signé à l'AS Roi Gayo. C'est de Roi Gayo maintenant. Je signe au CW Sport de San Pedro. Comme c'est souvent le cas, un concours de circonstances va précipiter la destinée du natif de Dabou. Zougoula Kweli Kevin, je le rencontre lors d'un match de Coupe nationale qui opposait le CW Sport à Ouragayo FC au stade municipal de Yamoussoukro. Je pense que nous menions ce jour-là 2-0. Quant à la mi-temps, il a renversé totalement le score. Il a eu à lui un triplé qui a permis d'éliminer le CW Sport. C'est ce jour-là que j'avais déjà fait attention à son profil. Très vite, Zougoula se trouve une place de choix dans le groupe du CW Sport de San Pedro, dans le cœur des supporters et même des journalistes. Il a apporté de la lumière, tout simplement. De la lumière au jeu du CW. Il a apporté ce qui manquait le plus, l'efficacité sur le plan offensif. Et puis en Coupe d'Afrique. Et c'est en Coupe d'Afrique que Zougoula Kevin est rentré, j'allais dire, définitivement dans nos cœurs. Ses exploits en Ligue 1 et en Coupe d'Afrique des clubs font de lui la priorité des écuries du continent et au-delà. J'ai effectué un voyage à l'extérieur du pays, en Roumanie. Mon premier match, je marque un but et donne la victoire au club. Déjà, ça m'a motivé pour dire que ah, c'est que je peux. Mais, contre toute attente, le rêve tourne au cauchemar. J'ai eu des problèmes avec mon président de club du CW Sport de San Pedro. Il vient après pour dire que non, le joueur encore 3 mois de contrat avec lui. Et le club roumain, ils m'ont dit, ah si, tu as encore un contrat de 3 mois avec le président du CW, et il ne peut pas régler mon problème parce que et ils vous ont déjà tout fait. Le transfert avorté en Roumanie, au Dynamo Bucarest, porte un coup au moral du buteur ivoirien. C'est l'amorce de la descente aux enfers. Pour le talent qu'il avait, ce n'est pas ce destin-là qu'on lui prédisait. Ce n'est pas cette carrière-là qu'il devait avoir. Pour moi, qui les ai eus, qui les ai dirigés, ça peut être un regret pour moi. Malheureusement, ces infortunes ne se limitent pas qu'au plan sportif. J'ai signé à AS Douane du Burkina. Étant au Burkina, c'est là que tous mes problèmes commencent avec ma femme. Là-bas, j'ai touché 225 000. Donc moi, j'envoyais 125 000 et puis 100 000, je mettais sur moi.
Elle trouvait que non, c'est trop peu ce que je lui envoie. Un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, ah, le jour que tu viens, tu ne me vois pas. C'est que je suis parti. Pour moi, elle s'amusait. Quand les vacances sont arrivées, je suis venu en Côte d'Ivoire. Je trouve que la maison qu'on occupait, elle a libéré la maison. Puis elle a pris tous les biens, elle est partie avec. On était mariés légalement, communauté de biens. Donc elle avait accès à tout. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas où elle se trouve. Dépité par toutes ces mésaventures, sans activité rémunératrice, le natif de Dabou décide d'abandonner le foot pour se consacrer à un tout autre métier. J'étais obligé d'aller m'engager avec une société de gardiennage pendant 2 ans. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a maintenu jusqu'à aujourd'hui. Mais chassé le naturel, il revient au galop. Rattrapé par le virus du foot, il se laisse convaincre par un club de division 3. Aujourd'hui, je me retrouve avec une équipe de 2-3 Alliance Football Club d'Abangourou. À 35 ans, loin des projecteurs du stade Robert Champroux qui l'ont vu éclore, Zougoula a-t-il les arguments pour revenir ? Tout dépend de son courage, tout dépend de sa force. Moi, je sais qu'avec Dieu, c'est jamais trop tard. Je suis Zougoula Kweli Kevin. J'ai toujours la force, j'ai toujours la foi et je sais que je peux rebondir encore.